Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour cette deuxième soirée Ligue des Champions qui aura lieu mercredi avec deux pronostics et on commence tout de suite avec la rencontre entre l'Atlético et Bruges. Alors, bon début de saison pour l'Atlético qui, puisqu'au moment où je fais cette vidéo, comme attendu, il se situe à la troisième place derrière les indétrônables Barcelone et Real. Alors, lors de la première soirée de cette Ligue des Champions, l'Atlético est allé s'imposer relativement facilement sur la pelouse de Monaco. Et on sait qu'à domicile, l'Atlético, c'est du costaud et que la soirée s'annonce compliquée pour Bruges. Bon, Bruges a fait un excellent début de saison en championnat de Belgique, mais la Ligue des Champions, c'est pas du même calibre. D'ailleurs, les Belges ont pu s'en rendre compte dès le premier match en s'inclinant à domicile contre Dortmund. Alors, je pense que l'Atlético va s'imposer peut-être 2-0 ou même 3-1. Et c'est pour cela que mon pari sera le suivant. Ce sera un Asian Handicap de moins 1 sur l'Atlético, ce qui signifie que le club espagnol doit s'imposer d'au moins 2 buts pour que je gagne mon pari, et je serai remboursé s'il ne gagne que d'un seul but. Et on peut trouver la cote aux alentours de 1,53 sur Betfair, et je placerai une mise de 1,5% sur ce pari. Mon deuxième pronostic pour cette soirée de Ligue des Champions sera sur le match Dortmund-Monaco. Alors Dortmund a le vent en poupe en ce début de saison et fait partie des trois équipes de Bundesliga à n'avoir encore pas perdu de match aux côtés du Bayern et de Bremen. Lors de son dernier match, Dortmund a littéralement écrasé Nuremberg en s'imposant 7-0. Et en Ligue des Champions, je l'ai mentionné juste avant, les Allemands sont allés s'imposer à Bruges en Belgique 1-0. Donc tout est là pour faire en sorte que Dortmund abordera cette rencontre avec beaucoup de confiance. Et la confiance, c'est pas ce qui règne en ce moment du côté de Monaco, loin de là, avec un début de saison catastrophique, une victoire lors de la première journée de Ligue 1, et depuis c'est la descente aux enfers avec 3 matchs nuls et 3 défaites. Alors, la dernière en date, au moment où je fais cette vidéo, était à domicile contre Angers, dans un match où Monaco n'a pas cadré un seul tir. Et en Ligue des Champions, c'est pas mieux. Avec une autre défaite, c'était à domicile contre l'Atlético. Alors, avec ces informations en main, je ne vois évidemment pas Monaco faire un résultat sur la pelouse de Dortmund. Et je pense donc que l'équipe allemande devrait s'imposer sur sa lancée. Mon pronostic sur ce match sera le même que pour le match précédent, donc un Asian Handicap de moins 1 sur Dortmund, et on peut trouver la cote aux environs de 1,72 sur Betfair. Et sur ce pari, je miserai également 1,5% de mon capital. Alors si vous souhaitez recevoir davantage de pronostics de ma part, ça se passe juste en dessous de cette vidéo, où il vous suffit de cliquer sur le lien « Pronostic offert ». Ce sera donc tout pour aujourd'hui, mais je reviens très vite avec d'autres vidéos. À très bientôt, salut.